L'anarchie, c'est quand même une notion où la plupart des gens ne voient pas très bien ce que ça veut dire. Pensée libertaire non plus. Et donc je voulais commencer par deux citations. Une de David Graeber. L'anarchie, donc, c'est un projet qui a pour but de commencer à créer les institutions d'une nouvelle société au sein de l'ancienne, afin de révéler, de subvertir et de fragiliser les structures de domination, et en procédant toujours de façon démocratique pour démontrer que ces structures ne sont pas nécessaires. Et la deuxième, qui est de Martin Buber, qui est un révolutionnaire anarchiste allemand. L'État n'est pas quelque chose qu'on peut détruire par une révolution. Il s'agit plutôt d'une condition, d'une certaine relation entre êtres humains, d'une façon de se comporter. C'est en nouant d'autres formes de relations et en se comportant différemment qu'on pourra le détruire. Ce qui est pas mal, c'est l'idée aussi que c'est pas une révolution. Ouais. Du coup, en fait, ça passe pas par des actes de violence. Et à une époque, ouais, comme beaucoup peut-être de Français ou de gens à qui on a appris la Révolution française et puis l'idéal de la Révolution, je me disais que c'était pas mal aussi la Révolution, qu'on pourrait changer les choses rapidement d'un coup et qu'il fallait prendre le pouvoir. Et en fait, dans les années 70, en fait, ça a été la mode de tous les communistes plus ou moins autonomes sur Terre de reprendre la lutte armée. On a pris les armes, on a attaqué l'État, il a répliqué, il est plus fort que nous, qu'il a le monopole de la violence légale. Et donc en fait, on a répondu à la violence par la violence, et au final, c'est la violence qui a gagné. Tu peux pas prendre le pouvoir, en fait. Le pouvoir, tout le monde l'a, et c'est bien ça, en fait, c'est pour ça que je suis devenu anarchiste. Si on est tous plus autonomes, en fait, on sera des gens mieux dans nos peaux, mieux dans nos têtes, plus sains avec les unes et les autres. Et du coup, en fait, mon entourage ira mieux. Et je sais que quand mon entourage va mieux, moi je vais mieux aussi. On ne pouvait pas prendre le pouvoir à la place des autres, parce que si on monopolise le pouvoir, c'est comme tous les monopoles en fait. On l'enlève aux autres. C'est là où tu crées la servitude volontaire ou pas, ou c'est là où tu crées le véritable assistanat par exemple, quoi. Et à partir de ce début, du coup, t'as développé progressivement, à partir aussi de lectures ou de rencontres, une éthique de vie du coup quotidienne. Ce qui est assez rigolo, c'est que quand on écoute ce que disent la plupart des gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est l'anarchie, ils vont te dire totalement l'inverse. Ils vont te dire que l'anarchie est une forme d'idéologie violente, et ils vont en avoir peur. Et c'est rigolo parce que quand tu connais vraiment des anarchistes, en fait, ou des gens qui sont inspirés par la pensée libertaire, mais c'est tout le contraire. L'anarchie, c'est inverse de hiérarchie, et un des mots-clés, ouais, c'est anti-autoritaire, quoi. Donc, contre toute forme d'autorité, quelle qu'elle soit. Comme tu hiérarchises rien, tu hiérarchises pas les genres, tu hiérarchises pas les races, t'es antiraciste. Si tu hiérarchises pas les espèces, par exemple, les formes de vie, c'est plus vraiment de la politique, c'est une forme d'éthique anti-autoritaire. Je suis un peu un activiste environnemental et un activiste technologique aussi. J'ai particulièrement suivi l'histoire politique des mouvements issus des années 50 et 60 aux États-Unis, qui se sont progressivement positionnés face au capitalisme de cette époque-là, qui est complètement destructeur, et qui ont évolué vers l'écologie sociale, vers une forme de pensée de démocratie directe, donc d'appropriation de la population du champ politique et d'appropriation des mécanismes de décision au sein des communautés, au sein des municipalités, des territoires, des régions, etc. C'est la lecture de Murray Bookchin, mais d'autres penseurs, des penseurs francophones notamment, Gorz, Ellul. Donc c'est pas une pensée qui est rigide sur une espèce d'idéologie libertaire. C'est une pensée qui est ouverte à toutes sortes de confrontations avec le monde. Par exemple, avoir une agriculture qui soit en osmose, en symbiose avec son environnement.
ça fonde les communautés qui travaillent cette agriculture-là. Développer les circuits courts, développer tout ce qui est local en termes écologiques, en fait. Enfin, c'est, parce que l'écologie, du coup, d'après ce principe, se vise surtout à échelle locale. Oui, parce que c'est justement l'écologie, c'est bien une histoire de symbiose et actuellement tout ça s'est rompu. Toi, avec une base libertaire qui vient du municipalisme libertaire, qui a un courant de pensée qui considère que oui, qu'il faut agir à l'échelle électorale, mais au niveau municipal, donc au niveau des villes. Moi, je suis dans quelque chose de très ouvert, qui est mobile parce que le monde est mobile, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se baser sur des idéologies sur la rigidité de certaines idéologies du 19e siècle ou du 20e. C'est-à-dire que désormais, nous avons une dizaine d'années avant vraiment un seuil d'irréversibilité qui va conduire à un emballement, une croissance constante de la température, c'est-à-dire de l'ordre de 0,5 degré à 1 degré par an, sur des moyennes, hein, bien sûr. Une situation de présence de l'humain sur cette planète qui est mise en question, et c'est elle désormais qui doit fonder nos stratégies politiques. La lutte globale, tant que le capitalisme est aussi prédateur, on peut tenter d'y lutter, bien sûr, tous les moyens sont bons. Mais actuellement, c'est par la transformation des territoires, par la viralité de zones de résistance, qu'on peut construire des espaces qui seront des niches. Hein, dans l'effondrement qui est en cours, qui est de plus en plus visible, ces niches-là vont subsister. Parce qu'elles développent déjà les réseaux de solidarité, les réseaux de production de ressources, les réseaux aussi culturels. La démocratie directe, c'est le point fondamental. Pourquoi ? Parce que depuis la révolution industrielle, tout s'est centralisé, les flux sont centralisés, les flux d'informations, les flux de production de biens ou de services. Et c'est cette centralisation qui a fait une espèce de métastructure, un pouvoir immense. Nos gouvernants sont à la solde des multinationales, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc, la démocratie directe, elle a son importance parce qu'elle permet aux territoires, donc aux groupes, aux petits groupes, d'avoir leur propre mode de fonctionnement de façon indépendante des métastructures. Paradoxe pour quiconque se revendique de l'anarchie de dans un mouvement politique. J'ai été dans un mouvement qui s'appelle donc la France Insoumise. Je pense que c'est un paradoxe qu'il faut pas forcément rejeter, dans le sens où moi la recherche de pureté idéologique et la recherche de mouvements chimiquement purs, c'est quelque chose qui à la fois me fait peur et que je trouve aussi assez contre-productif. On doit militer là où on peut le faire, et voilà, moi ça a été à France Insoumise, et c'est pas parce que au bout d'un moment je me suis revendiqué de l'anarchie que je devais quitter ce mouvement, notamment parce que je milite avec des amis aussi. Et surtout que pour moi, si tu veux, la politique c'est cyclique, c'est-à-dire que l'anarchisme c'est un but qu'on vise, mais avant ça il peut y avoir des étapes. Clairement aujourd'hui les thématiques et les problématiques auxquelles on fait face, c'est difficile de se passer de la machine de l'État pour les résoudre, notamment évidemment la question écologique. Pour beaucoup, mettre un bulletin dans l'urne, c'est la fin de leur militantisme. Pour moi, ça serait le début. Même si ça va en partie contre leurs valeurs, qui malgré tout décident de s'investir dans des machineries qui les révulsent un peu, mais parce qu'ils pensent justement qu'ils peuvent amener quelque chose de bien, quoi, là-dedans. Ouais, c'est ça. Clairement, je suis persuadé que si par exemple j'étais pas dans ce mouvement, peut-être que les libertaires de Nice seraient plus frileux, tu sais, de s'investir dans une campagne, parce qu'ils voient qu'en fait, il peut y avoir des libertaires qui sont investis dans des mouvements et ça crée des ponts. La conscience écologiste généralisée, pour moi, elle signifie la fin d'un monde, quoi. C'est-à-dire que ce nœud intellectuel qui fait que une croissance exponentielle et infinie dans un monde fini, etc., ça signifie la fin du capitalisme, cela, parce que c'est insoluble. Et le seul remède à ça, pour moi, c'est l'anarchisme. Voilà. C'est-à-dire que c'est la seule idéologie qui embrasse complètement le problème à bras-le-corps et qui dit très bien. C'est ça, moi, qui m'intéresse énormément aussi dans l'anarchisme, c'est que c'est quelque chose d'hyper intellectuel. Parce que ce qu'on propose,
c'est tellement à l'encontre de tout, ouais, pour le coup, c'est tout, le réel dans tout, quoi, dans les relations sociales, humaines, économiques, politiques, c'est-à-dire qu'on renverse complètement le réel, et pour ce faire, bah, il faut être hyper armé, quoi. Le jour où vraiment ce système-là s'effondre, eh ben, on va se retourner vers nous aussi. Tu vois, c'est-à-dire que vous qui proposez quelque chose, et alors, en fait, maintenant vous êtes devant vos responsabilités. Ils sont déjà en train de se retourner vers nous, en fait. Même des gens qui reprennent, ils appellent ça démocratie participative, mais bon, en fait, on appelle ça démocratie directe. Mais il y a des gens qui se portent vers ces questions. Et bon, pour nous, c'est quand même sacrément fort aussi, quoi. C'est pas anodin. Les Gilets jaunes ont un caractère anarchiste énorme aussi. Alors même s'ils sont dans la revendication, ce qui a priori est pas forcément l'idée qu'on se fait de l'anarchisme, puisque nous on prétend qu'on peut faire société sans vous. Il y a un fort anticapitalisme, en tout cas dans la nation française, et des fortes revendications sociales qui ne disent pas leur nom. Et d'un coup, voilà, les gens, sans qu'ils se disent anarchistes, ben en fait ils ont des comportements, ils ont des modes de combat qui sont complètement ce qu'on revendique. Sur la question de la violence, on a épuisé absolument toutes les voies de recours possibles. Et on a vu que ça marchait pas. Le seul moyen de les faire un petit peu tressauter, c'est d'aller leur faire peur. Et encore, franchement, quand on voit ce que c'est la violence des Gilets jaunes, c'est quelques bruits de vitrine, quoi. Tu vois, quand on voit ce qui peut se passer actuellement dans d'autres pays, au Chili notamment, etc., on n'en est pas encore vraiment dans la vraie violence, quoi. Il y avait au XXe siècle, au XIXe siècle, les anarchistes tuaient des gens. Ils venaient encore bien gentils, en fait. Les anarchistes ne sont pas non violents, mais par contre, s'ils réfléchissent sur la question de la violence, ils n'hésitent pas à l'utiliser. Mais par contre, c'est pas un mouvement qui prêche la violence, quoi. Disons qu'on n'écarte aucune voie, quoi. Voilà. Et c'est vrai que le pacifisme BA dont se revendique XR. Moi, je le critique pas en soi, c'est-à-dire qu'ils peuvent, clairement apporter quelque chose au débat, avoir des formes de désobéissance civile qui peuvent avoir un intérêt, un impact. C'est un essai de Peter Gelderloos, qui est un anarchiste américain, qui dit comment la non-violence protège l'État. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant pour nous qui joue, c'est-à-dire que on peut avoir le soutien des masses même en allant très très loin, quoi. Et donc du coup, ça pousse à aller plus loin.